Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Caroline Da Silva. Eh oui. Aimer, oser, prendre des risques, innover, changer les mentalités. Tel est donc notre leitmotiv dans cette entreprise. Ce n'est pas un hasard si en seulement 7 ans, nous sommes devenus le numéro 1 du talk show africain. Merci infiniment pour votre confiance. Merci encore de rester concentré parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Merci. Public. Alors, nous sommes une entreprise moderne et flexible. Qu'il me soit donc permis non seulement de vous présenter mes collaborateurs, mais aussi de les booster avant de recevoir notre client. Je vous présente Manuela Pocosi pour la Bioconté. Elle, c'est Marie-Paul Adjé pour Valeurs et Traditions. Docteur Philo. Philo. Alors, nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir dans cette émission une éminente personnalité du monde des finances et de l'économie. Ce n'est pas un hasard s'il a été fait officier de l'Ordre national par la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire en 2019. Il est le fondateur de la première agence de notation financière d'Afrique francophone nommée Bloomfield Investment Corporation. Mesdames et messieurs, l'homme aux chaussettes rouges est avec nous dans ce studio. Merci d'applaudir très fort Stanislas Zezé. Merci. Alors, merci. Comme je vous le disais à mes collaborateurs, oui. et j'espère qu'ils ne nous entendent pas, c'est un gros client que nous recevons aujourd'hui. Alors, on reste zen, on ne fait pas de zèle. D'accord. Et on se rappelle surtout des fondamentaux de Semidi Corporation. Bien sûr. C'est clair? Bien sûr. C'est bon? Je peux compter sur vous? Oui, chef. Je vais vous applaudir. De ce midi. Merci, merci. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement une éminente personnalité du monde des finances que nous célébrons, mais nous célébrons aussi un homme aux multiples facettes et aux multiples valeurs. Alors on sait très bien qu'il y a des jeunes Africains qui, avec leurs moyens, avec leurs revenus, essaient d'aller en Europe pour l'immigration clandestine, investir leurs revenus, leurs capitaux, dans la chimérique, dans ce qu'on pourrait appeler des chimères, dans des illusions. Mais lui, il a fait le chemin inverse. Il a quitté son pays, il est allé apprendre, il a acquis des compétences et il est revenu dans son pays pour mettre ses compétences au service de la nation. Et c'est ça que nous voulons saluer en ce jour, Stanislas Zezé. Alors, on sait que vous êtes donc le pionnier en termes de notation financière. Alors, très rapidement, en quelques mots simples, vous allez nous expliquer ce que c'est que la notation financière. Alors, je vais... Bonjour tout le monde. Merci, en Afrique francophone. Merci infiniment de me recevoir. Je vous en prie. Je vais essayer d'être très simple. C'est vrai que c'est difficile en notation financière de trouver des mots qui ne sont pas des mots codés. En réalité, la notation financière, c'est cet exercice par lequel on va évaluer votre capacité à rembourser. Donc, on prend une entreprise, par exemple, et on évalue quelle est sa capacité à faire face à ses obligations financières. Et on le calcule sur le court terme, le moyen et le long terme. Donc, le rapport que nous sortons va permettre à cette entreprise de lever des fonds et à cette entreprise d'établir sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis éventuellement de ses créanciers. Voilà, tout simplement.
D'accord. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer peut-être de retranscrire. C'est vrai que vous avez essayé d'être le plus simple possible. Alors, c'est-à-dire une entreprise de notation financière est celle-là qui donne du crédit et de la solvabilité à une autre entreprise. Voilà. Elle donne du... Enfin, la crédibilité peut être bonne ou mauvaise. Tout à fait. Voilà. Donc, elle va déterminer si vous êtes capable non seulement d'absorber ce que vous demandez comme fonds, mais est-ce que vous êtes capable de rembourser ? De rembourser. En temps et en heure, en fonction du contrat que vous avez signé. Et c'est sur cette base-là que les investisseurs vont vous faire confiance, vont vous prêter et vont travailler avec vous. Alors, on sait que vous êtes diplômé de l'université du Michigan. Alors, moi, ce que je me pose comme question, c'est-à-dire qu'avec votre background, avec tout ce que vous avez comme compétences, vous auriez pu quand même exceller dans de prestigieuses institutions financières américaines, mais vous décidez tout de même de venir vous installer dans un environnement francophone, je ne dirais pas où la notation financière est méconnue, mais qui n'existe pratiquement pas. Donc vous installez la première institution de notation financière ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir pris un tel risque ? Déjà, pour moi, créer une entreprise, ce n'est pas un risque. Au contraire, c'est créer une opportunité. ce n'est pas un risque du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai fini mes études, j'étais à la Banque mondiale à Washington. Donc, j'ai évolué justement dans ce milieu financier international. Et j'ai décidé, sur un coup de tête, de rentrer. De toute façon, rentrer dans son pays, ce n'est pas venu à l'aventure. C'est plutôt le contraire. Non, c'était pas, j'avais pas vocation à rester... aux États-Unis de toute façon, dont je suis rentré, j'ai travaillé à la BAD. D'accord. Pendant un moment, ensuite j'ai été directeur régional de Shell. Et j'ai décidé de monter Bloomfield parce que c'était nécessaire. Nous sommes dans un environnement où, vous savez, que pour développer un pays, il faut un marché des capitaux qui soit développé, donc le marché du crédit. Et pour que le marché du crédit se développe, il faut créer un environnement de confiance. Et cet outil est l'outil par excellence pour créer cet environnement de confiance. Et d'ailleurs, ça fait 14 ans qu'on existe. On a bien vu l'évolution du marché financier de l'UEMOA et de certains autres marchés en Afrique francophone. Non, l'impact a été réel. Donc on a eu raison de prendre cette décision il y a 14 ans, même si tout le monde pensait que c'était de la folie. Mais vous savez, je suis un Américain. C'est quand on dit que c'est de la folie que ça m'intéresse. On dit justement. Si tu n'es pas Américain, au moins, il faut être bêté. Parce que Nathalie est avec nous ici, sur ce plateau. Alors, pour vous, ce n'est pas un risque, c'est juste une mentalité. Voilà. Et vous avez étudié le terrain et vous vous êtes dit, on y va, et ça vous a réussi. Mais comment est-ce que vous êtes parvenu à devenir incontournable aujourd'hui? Vous savez, ce que je dis toujours, même à mes staffs, je dis, il faut, quand vous montez un business ou quand vous faites un travail, arrangez-vous pour devenir indispensable. Dès l'instant où vous devenez indispensable, vous êtes incontournable. Aujourd'hui, on a dû faire, quand on a commencé, on a dû faire énormément de pédagogie pour que les gens comprennent l'utilité de la notation financière. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas emprunter et ne pas montrer aux gens que vous êtes capable de rembourser. Donc ça me paraissait tout à fait évident, mais ce n'était pas aussi évident que ça. Donc il fallait faire énormément de pédagogie, on a fait énormément de pédagogie, et on a prouvé par A plus B qu'effectivement, quand vous êtes noté et que vous avez une bonne note, vous avez accès au financement et à des coûts moins élevés. Donc c'est juste prouver que ça marche, et les gens ont vu, ça fonctionne bien, et ça a commencé à faire tache d'huile. Et aujourd'hui, c'est devenu même obligatoire sur certains marchés. Et c'est devenu un réflexe des financiers désormais de demander la notation financière. En tout cas, bravo. Merci. Alors, je vais me permettre une certaine expression. Vous allez donc découvrir notre invité à petite dose et aussi à grande dose. Au fur et à mesure de cette émission, vous verrez que c'est vrai qu'il a participé à de nombreux plateaux de télévision. Tout le monde veut la voir, tout le monde se l'arrache. Mais ça sera exceptionnel en ce genre. Nous allons démarrer avec la Zoom Compile. Il est sans doute l'un des experts économiques africains les plus performants de sa génération. Détenteur de Master en Public Administration, Stanislas Zézé fonde en 2007 Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation financière avec pour objectif de doper le marché financier en Afrique francophone.
particulièrement sollicité dans la presse locale et internationale, Stanislas partage également son expérience avec les jeunes Ivoiriens et Africains désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on décide d'entreprendre, c'est pour réussir, c'est pas pour échouer. Celui qui entreprend et qui pense qu'il y a la possibilité d'échouer, ce n'est même pas la peine. Quand vous commencez, c'est pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, hein. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Mais dès l'instant où vous, dans votre esprit, vous vous dites que vous allez réussir, c'est impossible d'échouer. De l'entrepreneuriat, il a une vision claire et précise. Votre idée d'entreprendre doit répondre à un besoin. Soit un besoin d'améliorer ce qui existe déjà, ou un besoin d'innover, donc de créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà les deux seules possibilités quand vous décidez d'entreprendre. Vous voulez améliorer quelque chose qui existe déjà. Vous dites par exemple, il y a un pressing. Moi aussi, je veux faire un pressing. Mais pour que votre pressing ait un sens, il faut dire que votre pressing apporte ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Ça veut dire que votre pressing doit faire quelque chose de plus que le pressing qui existe ne fait pas. Par exemple, c'est un pressing ordinaire, vous allez vous déposer vos affaires, vous venez les prendre, mais vous vous dites, je vais faire un pressing, mais mon pressing va aller chercher les affaires chez les gens, venir les laver et aller les livrer. Donc c'est une valeur ajoutée puisque c'est différent de ce que l'on fait. Il est ce vendredi l'invité de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Je ne suis pas très satisfaite des applaudissements. Je ne suis pas satisfaite des applaudissements parce que c'est... Ouais. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Vous faites bien d'applaudir à tout rompre parce que notre invité spécial de ce jour le mérite amplement. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Et vous savez très bien, peut-être autant que moi, que pour être un bon chef d'entreprise, il faut avoir certaines qualités. Il faut être persévérant. Il faut être rigoureux, il faut avoir le sens de l'humain, il faut avoir encore le sens de l'organisation, il faut avoir le flair. Et toutes ces qualités, on les retrouve aussi chez un bon enquêteur, chez un bon détective privé. Alors c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais Stanislas Zézé, je vous informe que vous n'allez pas y échapper. Ok, d'accord. Nous avons les résultats d'une investigation de plus de 3 mois dans ce dossier. Tout y est. C'est un dossier béton. Béton. Voilà. Merci, mesdames et messieurs, de recevoir pour la grosse enquête. La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. J'ai chaud en même temps. Alors, merci, chef. Merci de me faire confiance. Je vous fais confiance, absolument. Me mettre à ce niveau. Alors, c'est une personnalité. Et donc, il faut des éléments de qualité pour donner les résultats de l'enquête. D'abord, je me présente. Commissaire hors grade Philo de C'est Midi Corporation. N'est-ce pas? Alors, vous savez que la grosse enquête, j'ai décidé moi-même de me déplacer parce que, vous savez, les grands types comme ça, là, il faut vraiment... C'est très minutieux, très délicat. Et les résultats qui sont là, tout est vrai. 3 mois de recherche, c'est ce qui est là. Alors, nous avons tourné. Nous avons fait à peu près le tour de la Côte d'Ivoire parce que notre invité, son père était commissaire. Donc, vous savez, les commissaires, on les a fait un peu partout. Mais nous avons posé nos valises précisément à Boaké, quelque part à Boaké. Et donc, notre invité a eu une enfance bouillonnante. Mais une enfance brouillée par l'un de ses frères appelé... Brouillé. Hein, brouillé, c'est un thème technique. Lui disait que c'était un thème technique des enquêteurs, en fait. OK. Voilà, brouillé par son jeune frère Olivier, qui aujourd'hui est au Togo. Alors, une enfance brouillée. Alors, tout jeune, notre invité, le voilà. Alors, c'est le résultat de l'enquête. Alors, là, à cet âge-là, en fait, il ne portait pas de son totem, c'était porter chaussures. Son totem, oui, c'est vrai, on a vu, c'est ce qui ressort des résultats. Des enquêtes. Voilà, ouais. Des enquêtes, il ne portait pas de chaussures. Mm. Vous voyez le regard, le flair. En fait, déjà maintenant, vous voyez ses yeux, vous voyez le flair de l'argent, de la réussite, ça se voit à travers ses yeux. Mais
même aller plus loin. Et là, il adorait jouer dans la poussière. Alors, quand son jeune frère Olivier, parfois, prenait ses jouets pour courir avec, parce que son jeune Olivier le provoquait beaucoup, à son âge, 4-5 ans déjà, il disait à Olivier, quand je vais grandir la guerre, quand je vais grandir la guerre, je vais acheter ma Merco, tu vas pas monter dedans. Ah bon, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait déjà ça. Alors, quelqu'un dirait, d'en pousser la Merco, mais voilà ce que je sais aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un qui, il a grandi, après la poussière. Alors, notre invité, Zézé Stanislas, qu'on appelle affectueusement Stan, je peux le permettre en tant que gros enquêteur. Alors, c'est quelqu'un déjà, à partir de ce résultat-là, il était friand des belles voitures. Quelqu'un à 5 ans qui parle de Merco qui est le diminutif de Mercedes, pas de pub, il est là. C'est donc, fait. Déjà, on le disait déjà qu'il avait déjà ce flair-là. Et il est le seul qui n'a pas accepté de petit nom. Sinon, un vrai petit, il a son petit nom. Souvent, c'est Dibezokwa, parfois, oui, normalement, ou bien c'est Grisa, Nikou. Mais lui, il est resté dans son stand. Il dit, je ne veux pas de petit nom. Peut-être qu'il ne faut pas ce nom-là, va me rattraper plus tard. Non, c'est quelqu'un qui a été dans le concret depuis le bas âge, Caroline da Silva. Alors, pardon, avant de poursuivre, je vous en prie. Est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Oui, sauf que Olivier, c'est mon grand frère, pas mon petit frère. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais. Ça va. Oui. De toutes les façons, un enquêteur, il peut faire des erreurs par nous, moment. Nous ne nous attendons pas sur ces petits détails. C'est ça. C'est un autre niveau des enquêtes. C'est ça. Voilà. Et donc, quand il a grandi, alors, déjà jeune, 15 ans, 16 ans et autres, mais il n'accepte pas n'importe quelle amitié, au fait. Lui, ses amis, ce n'est pas des amis de Yopougon où « Viens, je vais te donner une bière. » Non. Il choisait des amis qui pouvaient lui apporter quelque chose. Déjà, comme son père était commissaire, donc déjà, ils habitaient dans les quartiers un peu résidentiels. Et ses amis, c'était déjà un peu des enfants de boss. Et donc, des enfants qui peuvent lui apporter quelque chose dans l'avenir, pas n'importe qui. Il savait vraiment ce qu'il voulait. Il savait vraiment ce qu'il voulait depuis. Et il va. Mais il faut savoir que c'est un gros moqueur qui est là également. Voilà, vous voyez tout ça sur l'image. Un gros moqueur, il s'est moqué. Je ne sais pas s'il se moque toujours, mais il se moque beaucoup de ses frères, de ses sœurs. Voilà. Et puis, il est habité par l'abnégation, la détermination et l'envie de défier quoi que ce soit. Déjà, même à l'université, déjà, quand il est allé en Europe à l'université, c'est quelqu'un qui s'auto-défiait, Caro. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est déjà bon. Ça dit, on c'est comprend. Quelqu'un. Et puis, ça a été dit à ses amis, cherche-moi la fille la plus compliquée de la fac. Et puis, oui, son ami aussi, lui, joue le jeu. Il appelle, il cherche la fille la plus compliquée de la fac. Et lui, Stan, il se présente devant cet ami-là et il va draguer cette dernière. Sans arrière-pensée. Mais pour voir de quoi il est capable. Quand il arrive, ses amis l'observent de loin, puis vient. Cause. Et quelques minutes après, la fille est en train de donner le contact avec le sourire aux lèvres. Ses amis disent, voilà ce monsieur-là, il est fort. Et lui-même, il s'est dit, quand il vient dire à son ami, je n'ai pas dit que je pouvais, elle a donné son contact. Mais il fait rien avec elle. C'était pour voir lui-même sa propre potentiel, c'était de l'autodétection. Mais c'est très important. Dans alors, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a de l'instinct. C'est-à-dire, c'est un visionnaire. Nous, en matière d'enquête, nous, c'est des expressions, on dit, c'est un inspecteur. C'est quelqu'un qui a de la vision depuis ce moment-là. Mais même sa propre femme. J'ai l'impression que vous avez un dictionnaire particulier quand même. Oui, mais c'est des propres. Quand il disait ses propres techniques-là, nous, on ne comprenait rien dedans. Mais là, il ne faudrait pas qu'il comprenne. Même aujourd'hui, sa propre femme qui est avec lui, elle a dit comment ça s'est passé après l'enquête. Alors, quand il a vu la femme pour la première fois, il appelle son. Il n'a même pas encore causé avec la femme, il appelle son ami. Il dit, Joe, j'ai vu la femme de ma vie, sans causer avec la femme. Mais aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. C'est ça, un visionnaire. Au fait, tu vois quelque chose, tu dis, c'est ma femme déjà. C'est fort pour vous, au fait. Tu dis, c'est ma femme, mais tu n'as même pas causé avec elle. Il dit, c'est ma femme, il a tout fait. Aujourd'hui, cette dame-là est avec lui et ils vivent ensemble. C'est ça, un visionnaire. C'est ça que tu vois. C'est pas les petites choses. Alors, Caroline, au terme de cette grosse enquête, alors oui, nous retenons ceci. Nous retenons que notre invité du jour a réussi à se réaliser, a réussi à réaliser ses rêves. Parce que déjà, quand tu penses, quand tu rêves déjà et que tu réussis à réaliser ces rêves-là, c'est une grosse qualité. C'est pourquoi je demande à la jeunesse, je demande à la jeunesse ivoirienne de faire comme si, quand tu rêves de quelque chose, fais tout pour réaliser ce rêve. Aujourd'hui, moi, étant commissaire divisionnaire, vous êtes jeune. Vous rêvez que vous avez volé l'argent de quelqu'un,
Le lendemain, pour réaliser ce rêve, rendez-vous au commissariat et nous, on vous attrape. C'est aussi également la réalisation des rêves. C'est aussi la réalisation des rêves. Voilà. Alors, c'est un monsieur, c'est vrai qu'il est bien, mais il ne fait pas parler. Mais si vous voulez qu'il vous boxe là, il faut manger chigom. Tu as vu t'arrêter à côté de lui. C'est son totem qui est là. J'en ai fini, chef. Oh. Boris, bien entendu, de... Très chers fournisseurs, je vous avoue que je suis très fière de mon collaborateur. Alors, Stanislas Zézé, on parle aujourd'hui d'entreprise. À la suite de la grosse enquête, qu'avez-vous à nous dire? Écoutez, je crois qu'il a fait un travail fantastique. Je ne sais pas qui lui a donné toutes ces informations-là, mais je trouve qu'il a fait du très beau travail. Je me reconnais dans les différentes qualités qu'il a décrites. Et surtout le totem, ouais, ça c'est clair. Quoi. Je suis, j'ai je déteste les chewing-gums. Je déteste les chewing-gums. Je ne sais pas pourquoi, mais je déteste. Depuis tout petit? Depuis toujours. Je n'ai jamais aimé les chewing-gums. Dès que quelqu'un est à côté de moi avec un chewing-gum, ça me pose problème. Par politesse, je vais peut-être rien dire, mais je vais m'en éloigner. Mais sinon, grosso modo, oui, l'enquête était bien. Et merci pour cette enquête-là. Ça m'a rappelé des choses que j'avais complètement oubliées. J'ai vu des photos qui me ramènent aux années 80 à Paris. Mm. Et c'est des très, très, très beaux souvenirs. Ouais. En tout cas, on est content que ça vous fasse plaisir. Alors, Stanislas Zézé, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le dire, de le proclamer, que vous êtes un modèle, une source d'inspiration pour la jeunesse. Mais si vous devez, ici, à cette tribune, vous adresser aux jeunes qui nous regardent, ce serait quoi le message? Écoutez, le message, ce serait, comme je dis toujours aux jeunes, d'être déterminé. C'est-à-dire que je crois que c'est absolument important de prendre notre destin en main. Nous sommes sur un continent où... 70% de la population est jeune, ça veut dire qu'en réalité, ce sont eux qui doivent décider de l'avenir de ce continent. Tout à fait. Donc il faut que les jeunes arrêtent de s'infantiliser eux-mêmes et arrêtent de penser que quelqu'un d'autre doit venir réaliser leurs rêves, réaliser ce qu'ils doivent accomplir dans la vie. Il est important de prendre son destin en main, c'est quelque chose de fondamental. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, mais il faut toujours s'approcher des gens qui sont passés par là. Il faut écouter, il faut regarder, il faut observer. Il faut trouver ce qu'on a envie de réaliser dans la vie, se renseigner. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de lire tout sur Internet. C'est clair. À notre époque, on n'avait pas Internet, donc on était obligé de faire nos propres erreurs. Aujourd'hui, vous pouvez éviter toutes les erreurs en allant sur Internet, en lisant tout ce que vous voulez faire. Quand vous décidez de monter une entreprise, vous décidez d'embrasser une carrière, il faut vous informer sur cette carrière ou sur cette entreprise. Donc mon message aux jeunes, c'est de prendre notre destin en main et d'arrêter de s'infantiliser et de penser qu'il y a toujours quelqu'un qui doit faire quelque chose pour eux. Merci infiniment. Alors, pour la chronique qui va suivre... C'est vrai que généralement, elle s'adresse aux enfants, mais pas que les enfants, pas seulement les enfants, mais aussi aux grandes personnes, parce qu'elle vise quand même à pérenniser nos traditions, mais encore à susciter l'espoir. Et cet espoir, nous voulons le communiquer à tous nos téléspectateurs aujourd'hui à travers la bio-conté de Manuela Pocosi. Métamorphose! Manuela Pocosi Koulibaly, la bio-conté de l'invité. Je suis Manuela Pocosi, alors je suis non pas chargée de risques comme notre invité du jour, mais je vais vous raconter sa biographie sur fond de poésie. Bonjour. Il était une fois en terre ivoire un clan respecté. Papa Zézé, patriarche d'une fratrie de 10, était un homme particulièrement apprécié pour sa droiture, son charisme, sa rigueur et son pragmatisme. Papa Zézé cachait un secret dont lui seul était le gardien. À la tombée de la nuit, l'un de ses fils, Stan, se transformait en aigle. Il sillonnait alors les cieux durant des heures, flirtant avec la lune et les étoiles. Au lever du soleil,
L'aiglon n'en gardait pas grand souvenir. Quelques bribes de ses voyages lui revenaient parfois, mais il n'en disait pas mot. Un jour, son secret fut à deux doigts d'être révélé. Alors que Papa Zézé s'en allait en mission, Stan se hâta pour l'y accompagner. « Mais il n'a pas porté ses chaussures !» s'exclamèrent ses frères et sœurs abasourdis. Une vilaine habitude, s'amusa Papa Zézé. Stan en sourit aussi d'ailleurs. Puis ils prirent la route. Mais au fond, le patriarche laissait faire, parce qu'il savait qu'une paire de chaussures était inutile à qui sait voler. Stan grandit quelques années avec son secret. Les voyages nocturnes se multipliaient, sa vision perçante et son instinct se développaient, et il comprit un jour qu'il était destiné à voler haut, très haut, comme le seigneur des oiseaux qu'il était, et décida de partir à la conquête du monde. Il regroupa alors sa famille et leur confia son secret. Père Zézé lui accorda sa bénédiction et devant tous, dans une lumière aveuglante, il se transforma en aigle royal et prit son envol. Il rejoint l'Eastern Michigan, une terre où vivaient d'autres aigles royaux, ses semblables. Son passage y fut particulièrement remarqué. Stan aimait prendre des risques. Il en fit d'ailleurs son métier. De ses puissantes griffes, il captura des proies, un master en administration publique, un honorable poste à la Banque mondiale, un brillant poste aussi à la National Bank. Le tonnerre gronda, le vent tournoya, mais en digne roi du ciel, son agilité et son instinct lui permettaient de ne jamais chuter. Puis ses racines le rappelèrent. C'est ainsi qu'il regagna la chaleureuse terre ivoire. Mais encore, ses qualités de maître des cieux lui permirent d'ouvrir de grandes portes, celles de l'Abad, de Shell, et il fut même décoré chevalier de l'Ordre national. Cependant, Stan ressentait au plus profond de lui qu'il était destiné à voler encore plus haut. Et il ne se trompa guère. Pour ce faire, Dieu lui envoya sa moitié à la vision aiguisée et au cerf de velours, Jeanne. C'est à ses côtés, obtint les trois plus grandes bénédictions de sa vie, Iman, Neoura et Bloomfield. Stanislas Zézé, c'est avec un grand plaisir que C'est Midi vous reçoit aujourd'hui, avec un grand plaisir également que j'ai rédigé cette bio-contée. Peut-être ai-je été facilement inspirée par le héros moderne de roman que vous êtes. Épicurien, certes, mais surtout travailleur acharné. Vous êtes un exemple et une fierté pour beaucoup d'Ivoiriens, j'en suis sûre. Un self-made man, capable de tout faire avec rien d'autre que sa tête et ses mains, pour reprendre les mots d'un de vos proches. L'aigle royal que vous êtes tutoie le soleil du regard, par défi, diront certains, pour tout simplement mieux visionner vos rêves. Chuchote mon instinct. Alors où qu'ils se trouvent, je vous souhaite d'atteindre chacun d'entre eux. Merci. Merci beaucoup, Manuela. Merci. Merci infiniment. Ça fait quoi excellent. D'entendre son histoire de la sorte. Excellent. Vous avez adoré. Excellent. Alors, excellent. Il a dit excellent, Manu. Je m'entendais très mal. Non, c'était bien. Parfait. C'était bien. Texte très bien écrit. Et ça ne court pas les rues, ce genre de texte. Voilà. On a des biographies ordinaires, mais des biographies telles que c'est libellé ici à C'est Midi depuis le début de cette aventure. Franchement. Vous savez, l'autosatisfaction, ce n'est pas fait pour aider un chef d'entreprise parce qu'il doit, de façon permanente, se challenger. Et c'est ce que nous allons faire. Et pendant que nous sommes en train de réfléchir, de nous concerter ici, nous allons marquer une pause au niveau de la pub et on se retrouve pour la seconde partie de cette émission. Non, 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 non. Thank you.
marche. Sachez que depuis 12 heures, nous sommes là et nous célébrons le fondateur de la première agence de notation financière d'Afrique francophone, Bloomfield Investment Corporation, Stanislas Zézé. Et c'est le sportif que nous recevons, c'est l'épicurien, c'est le père, c'est l'époux, le chef d'entreprise, le militaire, le financier, l'économiste, le catalyseur de la notation, le voyageur et celui qui a du goût, qui a des goûts vestimentaires indéniables et aussi des goûts culinaires, à ce qu'il paraît. Nous poursuivons cette émission et hors antenne, alors, je vais me faire la quacquato. Alors, hors antenne, il a dit à Manuela que j'ai vraiment adoré et j'ai aimé surtout l'image de l'aigle. C'est comme ça que je me vois. Elle a dit, j'ai fait référence surtout au Michigan. C'est bien cela. Au Michigan, c'est sa personnalité. Voilà. C'est bon, alors, ici, on casse les papos. Et dans cette même dynamique, nous allons donc poursuivre avec les photos émotions, avec bien sûr la collaboration de la régie qui va nous envoyer la première photo qui s'affiche à l'écran. Stanislas Zézé va nous faire le plaisir de nous dire qui apparaît sur cette photo. C'est ma mère, Jeannette, que j'ai vue là juste avant de venir d'ailleurs. C'est votre mère? Oui, c'est ma mère. La relation qui vous lie à votre maman? Écoutez, une relation assez particulière quand même. Hein. C'est-à-dire que ma mère est partie très tôt, mais on a gardé des relations très étroites. Et pendant longtemps, j'étais à l'étranger. On ne se parlait pas souvent, mais cette connexion était là. Quand je venais, je voyais. Quand j'étais là-bas, on ne se parlait pas souvent. Elle m'écrivait une fois en passant. Mais là, aujourd'hui, on est devenus très, très, très proches. Elle n'est pas souvent les week-ends chez moi. Elle est très avenante. Elle a sa façon d'exprimer son affection. Elle n'est pas quelqu'un de très affectueux, mais elle a sa façon de le faire. Même un coup de fil, même si c'est un coup de fil banal, vous ressentez l'affection dans ce coup de fil banal. Et c'est assez particulier. Quelle est la plus grande qualité que vous retrouvez en elle? Ma mère ne parle pas beaucoup. D'accord. Elle ne fait pas de commentaires sur la vie des autres. Quand elle vient chez moi, ça fait 18 ans que je suis marié, elle n'a jamais fait un commentaire sur mon épouse ou ma famille, jamais. Elle arrive, et d'ailleurs on la voit à peine dans la maison, elle est très calme, elle sourit, elle se fâche jamais. Elle sourit souvent. Et quand vous commencez une conversation qui commence à tourner au vinaigre, elle ne parle plus. C'est vraiment important d'avoir des valeurs. Hein. Ouais, elle ne parle plus. Nous continuons toujours dans des images qui suscitent ou qui pourraient susciter de l'émotion. Stanislas Zézé, je vais vous inviter encore une fois à regarder dans cette direction. Surprise pour vous. Stan m'a énormément influencé positivement. Quand on s'est connus au milieu des années 80 à Abidjan, j'étais en pleine adolescence, j'arrivais du Cameroun. Et j'étais extrêmement timide, timoré et bègue en plus. Et Stan, volontairement ou involontairement, m'a pris sous son aile. Il m'a façonné, il m'a mentoré, il m'a coaché. Il m'a donné tous les codes qu'un adolescent doit avoir pour réussir dans un univers d'adolescent où il faut être swag, il faut un petit peu paraître, il faut faire un certain nombre de choses. Notre amitié, fraternité, compagnonnage nous a emmenés sur plusieurs continents où nous avons vécu de très belles aventures. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'était pas une rencontre vaine. Tout arrive pour une chose. La rencontre avec Stan a été extrêmement déterminante. Et je constate, pour parler une fois de plus d'altruisme, que c'est son caractère. Je vois comment il se comporte avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'il mentor, qu'il essaye de driver, de tirer vers le haut, sans en tirer aucune gloire, aucun profit particulier. Lorsque tu es venu me rejoindre à Paris à la fin des années 80 pour passer ton bac, tu avais 18 ans et comme tous les jeunes de cet âge, c'était les sorties, les copains. En tout cas, pas l'image de l'étudiant studieux et focus sur un projet. Je vais te faire un aveu. Lorsque tu m'as dit que tu quittais Shell pour créer ta propre boîte,
J'ai eu des doutes parce qu'il s'agissait d'un concept totalement inédit en Afrique francophone. Tu as construit ton projet étape par étape. Tu es un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Et s'il fallait te définir par deux mots, pour moi, ce serait détermination et confiance en soi. Des témoignages qui viennent encore nous donner raison et nous conforter dans notre position. Nous avons eu raison de recevoir Stanislas Zézé sur le plateau de ces midis. Et depuis le début de cette émission, nous le disons, c'est un homme qui a confiance en lui, qui a déterminé, qui savait depuis l'enfance ce qu'il voulait faire. Et nous sommes heureux de cet impact-là que vous avez sur la jeunesse. Ils nous l'ont confirmé. Merci. C'était à l'instant Serge Esso depuis Douala, votre ami d'enfance, et Guy Zézé. Alors Stanislas, réaction après ces deux témoignages poignants? Alors Serge, c'est comme mon jumeau. C'est quand même extraordinaire. Ça fait 35 ans, maintenant 36 ans qu'on se connaît. Mm-hmm. On ne s'est jamais disputé. Quand je dis jamais, c'est jamais. On a une énergie qui est assez extraordinaire, dans ce sens où, quand on était jeune et qu'on demandait à Serge où j'étais, même quand Serge n'a pas parlé avec moi, il dit l'endroit où je suis et c'est exactement à cet endroit que je suis, et vice-versa. Mm. C'était une énergie assez particulière. On est toujours très amis, on est des frères. D'ailleurs, les gens disent qu'on se ressemble. Et parlant vraiment, de frères, nous avons eu aussi le témoignage de Guy Zézé. Oui, mon grand frère Guy Zézé, qui a toujours pensé que j'étais un fêtard. il a en réalité, quand j'étais jeune, il ne m'a jamais compris, parce qu'il disait « je mets les habits, je mets sortis ». Donc évidemment, et moi, quand j'étais à la fac, je ne prenais jamais de notes. Même au lycée, je ne prenais pas de notes. Je m'asseyais devant, je retenais tout, je ne prenais jamais de notes. Oh. Donc il trouvait ça un peu curieux, je ne bossais pas, il ne me voyait pas travailler. Donc pour lui, j'allais foutre ma vie en l'air. Alors pardon, vous les jeunes qui nous regardez, si vous n'êtes pas aussi intelligents, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux. Voilà. Donc il était assez surpris de mes succès après succès. Et j'avoue que je voyais quand même son attitude vis-à-vis de moi se transformer. Hein. Ça m'amusait. Parce que moi, je savais ce que je faisais. Hein? Mais je ne lui expliquais pas nécessairement, je lui laissais avoir son opinion de moi. Mais c'est quelqu'un de fondamentalement généreux, mon grand frère. Donc, il vit désormais en Guadeloupe, et Marianne Guadeloupéenne, il est médecin chirurgien ophtalmo en Guadeloupe. Voilà. C'est vrai que les valeurs peuvent paraître universelles, collectives, mais la tradition, c'est quelque chose de singulier. Absolument. Valeur Absolument. Et tradition, tout de suite avec Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, valeur et tradition de l'invité. Merci infiniment à tous. Chef Caroline, j'ose espérer que je serai à la hauteur de vos attentes, sinon des attentes de ces Midi Corporation. Oh, vous savez, ici, on ne badine pas. Hein. Si vous n'aviez pas le profil adéquat, merci, je ne vous aurais pas recruté et gardé pendant toutes ces années. Je suis flattée, je suis flattée. Monsieur Zézé, ayo. Ayo, gars. Non, le ayo va me tuer. Monsieur Zézé, ayo. Avec un peu de c'est bêté ou c'est quoi? Un peu de chocomi. C'est bon, les gens. Alors, depuis l'entame de cette émission, on a cessé de parler de vos valeurs. Et comme on le sait, les BT sont connus pour être intelligents, pour être francs. Ils ne sont pas rancuniers. Certains disent que les BT sont palabreux, mais en vrai, non, ils ne le sont pas. Ils ne sont juste pas rancuniers, ils sont directs, en fait. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Moi, j'ai effectué un déplacement. On va regarder ensemble et commenter par la suite. C'est parti. Monsieur Stanislas Zézé, comme vous pouvez le constater, je suis à Niaprayo, situé dans la région du Gao, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un village que vous connaissez bien, car c'est celui de votre père. Et sans plus tarder, nous allons à la rencontre du chef du village, dénommé monsieur Zézé Drogba, qui va nous parler de tout ce qui est mœurs et coutumes. C'est parti. Après les hommages rendus au chef qui a eu l'amabilité de nous recevoir, il nous donne rendez-vous sous le préau où nous attendent les habitants du village. En chemin, je m'arrête pour faire connaissance et apprendre quelques astuces de cuisine auprès des nièces du chef qui étaient au four et au moulin pour nous concocter un repas de bienvenue. Ah, allez, c'est les professionnels faire. Merci. Attention. Comme la tradition le veut, nous sommes accueillis par les anciens. Nous sommes à Niaprayo, dans le village de Stanislas Zézé.
l'un des valeureux fils de Niaprayou. Donc la tradition bété veut que quand on reçoit un hôte de Mac ou bien une hôte de Mac, parce que vous êtes devant moi une charmante dame, merci beaucoup, on va présenter la cérémonie coutumière. Quand vous recevez une personne de son rang, vous lui offrez un coq. Voilà, c'est le doyen d'âge Niaye Gueye Hubert qui va faire cette offrande. Il ne te met pas un doigt de méchanceté sur le front, mais c'est pour dire que vous êtes maintenant fille de Niaprayou. Et les portes de Niaprayou vous sont ouvertes. Vous pouvez y venir tant que vous voulez. Ok. Et maintenant, on va rentrer. L'équipe de la RTI que nous sommes en train de recevoir vous a donné les nouvelles que vous avez comprises. Zezé Stan, dont il est question aujourd'hui, c'est un homme très, 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 très généreux. Il est à Abidjan, mais même si un bébé décède ici, il envoie sa participation. Parce qu'il est très occupé, nous-mêmes, nous savons qu'il est très occupé. Mais il participe à tous les événements de ce village. Il y en a même, quand ils attendent son nom, qu'ils ne l'ont pas encore vu, mais quand on dit son nom, on dit, mais on ne le voit pas et puis il est tout le temps ici. Marie-Paul, je voudrais que tu retiennes ça aussi. D'accord. Comme ça, si tu comprends ce nom-là, tu vas savoir que ça vient de Niaprayou. Il y a Tébili, il y a Zézé et il y a Drouba. Ces trois noms sont les noms symboles de Niaprayou. Par la suite, les femmes battantes de Niaprayou décident d'offrir un chant de réjouissance pour leur frère Stanislas Zézé. Le chef du village décide de nous faire découvrir la maison du grand-père de Stanislas Zézé. Nous terminons dans la cour de son grand-père pour que lui-même il gagne souvenance. De là, il est venu ici, ça fait pas très longtemps, et il faut qu'il sache que ce terrain a été nettoyé par le village pour qu'il vienne bâtir sa maison. Merci infiniment à la population de Niaprayou pour l'accueil. Ce fut de très beaux moments d'échange, de partage et de réjouissance fortement appréciés par tous. Jésus, où se trouve le coq? Parce que étant commissaire divisionnaire de cette entreprise, j'aime la... Où est le coq avant qu'on... Merci. Oui, Marie-Claude, voilà, termine. Stanislas, tout le monde vous salue à Niaprayou. Il vous aime énormément, vous avez pu le constater. Et puis, merci encore pour ce que vous faites. Merci infiniment. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions. Pardon? Ça crée beaucoup d'émotions de voir le village, de voir le chef de Manus et de voir les autres. C'est beaucoup d'émotions. Merci infiniment. Notre invité, il est serein. Il garde sa sérénité jusqu'au bout. Mais c'est bien sûr, on continue l'émission. On n'a pas encore terminé. Marquons une pause, une autre pause au niveau de la pub et on se retrouve. Ça change un peu. Et voilà, ça a été très cool. Entrepreneur, aguerri. Stanislas Zézé est notre invité spécial de ce jour. Le temps de retrouver mes notes pour poursuivre cette belle aventure. En tout cas, je n'ai même pas envie que ça se termine. C'est trop chic. C'est midi, c'est mal doux. Alors, Stanislas, c'est vrai que vous êtes un grand bosseur. Mais quand même, nous savons que vous êtes un bon vivant, épicurien, de temps en temps. Vous aimez aussi les voyages, à ce qu'il paraît. Et vous prenez tout de même le temps de vivre, de respirer et même de chanter parfois. Il paraît Annie, I Need Love de LL Cool J. C'est un morceau que vous maîtrisez à la perfection. Vraiment, ne mettez pas la honte sur moi. Stanislas Zézé, la Côte d'Ivoire nous regarde. Toute la diaspora nous regarde.
Le monde entier nous regarde. Si vous refusez de chanter, moi, j'abandonne mon métier d'animatrice. C'est vrai que vous avez fait le tour du monde, mais il faut lui dire également que Nia Prayo nous regarde également. Nia Prayo nous regarde. Nous regarde. Voilà. Ça c'est il y a longtemps, ça. Oui, il y a longtemps, mais bon... J'ai complètement oublié tout ça. Oui, c'est vrai. Complètement oublié les paroles de I Need Love. C'est vrai que c'était une chanson culte. Uh-huh. Et d'ailleurs, pour une année, enfin, je vais raconter une petite anecdote sur I Need Love. Quand on était au lycée à Paris, et qu'on allait en vacances l'été, Serge, vous avez vu les deux qui étaient avec moi à Détroit, uh-huh. Serge Esso et Franck Emou, c'est mes amis depuis 35, enfin, il y a 35 ans qu'on se connaît. Et quand on revenait, on se faisait passer pour des Américains. Et on utilisait les paroles d'I Need Love, et puis on s'adressait à des gens qui ne comprenaient pas. Vous avez l'impression qu'on parlait anglais, mais nous, c'était là. On a appris I Need Love par cœur. D'accord. Mais bon, ça fait longtemps, hein, je ne sais pas. Voilà, on sait jamais. Non, je peux dire deux, trois... Non, allez-y, comme vous le sentez. Okay. Les deux, trois, là, vous répondez après. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, I hear in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dope for the first time in my life. I see I need love. There I was, giggling in about the game that I'm playing many hands, now I'm saying that him. Pour ceux qui comprennent l'anglais comme moi, ça veut dire j'ai besoin d'amour. Il a besoin d'amour, nous allons le servir tout de suite et maintenant. Regardez dans ma direction. Vous avez besoin d'amour? Ouais. Regardons ensemble. Coucou mon cœur, j'aurais adoré être auprès de toi à cette émission hommage. En effet, la production m'avait contacté hier pour me demander d'y participer, mais malheureusement, j'avais un engagement que je n'ai pas pu annuler. En tout cas, je suis très contente qu'il te fasse cette émission aujourd'hui et je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Je t'embrasse très fort. Oh, c'est mignon! C'est mignon! Alors, Stanislas Zézé, celle que vous avez vue, c'est Jeanne Sissoko Zézé. C'est le cœur, le poumon. Un grand homme se cache, elle est à côté. Elle est juste à côté. Merci, merci infiniment, Jeanne, d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, l'émission n'est pas terminée, mais les choses commencent à devenir très sérieuses. C'est vrai, Jeanne, on a parlé avec lui en début d'émission de notation financière. On a utilisé des termes grandiloquents, mais ce qu'on veut savoir, en termes de notation conjugale, quand il s'agit de parler aux enfants, de parler à sa femme, est-ce qu'il trouve les mots adéquats pour le faire? J'en ai fini. Déjà, je voudrais commencer par lui dire que j'ai énormément d'admiration pour toi, Stan. Oh là! Pour l'homme de vision que tu es, pour cet impact que tu cherches à avoir tous les jours sur les gens, pour cette envie que tu as de contribuer à changer ton continent. Et je suis très fière de ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent. Ce n'était pas évident, mais tu n'as jamais abandonné. Tu as fixé ton objectif. On a encore pas mal de challenges, mais j'ai une foi inébranlable en toi. Voilà. Merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est mignon. Oh.
du tout là. Il est enrhumé, c'est pour ça. Non, je comprends. Alpha Blondie a fait pareil. Il a dit qu'il avait mal aux yeux. Voilà, je comprends. Pour répondre à ta question, ma chère Caroline, Stan, c'est quelqu'un qui, au-delà de ses apparences de grandeur, est quelqu'un de très sensible et qui, surtout, a énormément d'amour pour sa famille. C'est quelqu'un qui est prêt à tous les sacrifices pour son épouse, pour ses filles, et trouve les mots. Quelquefois, ce n'est pas évident, parce qu'il a sa carapace, mais il trouve les mots pour nous rassurer, pour nous montrer qu'il est toujours là pour nous et qu'il fera tout pour nous protéger. Merci, merci infiniment. Jeanne, si c'est que vous restez avec nous, on n'a même pas envie de vous laisser partir. Très rapidement, vous avez parlé d'impact sur la jeunesse. L'impact, il a véritablement sur la jeunesse. Et on va le démontrer tout de suite dans cet élément que nous propose la Caro Gang. Quelle journée. Aïe. Quelle journée. Finance, économie. Ok. Si j'allais faire une marche et profiter voir la vieille, pas mauvais comme idée. Hein. Monsieur Zézé Stanislas. Oh, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Ouais, partagé. En fait, il y a longtemps que je voulais vous rencontrer. Vous êtes un modèle pour moi. Oui. Ah bon? Je vous suis, oui, je suis tout ce que vous faites. D'accord. Je suis. Et vous m'avez inspiré même aujourd'hui. Je suis agent dans une banque. Ah oui, bon? Je vous suis un peu partout. Je suis ce que vous faites. C'est inspirant. Et aujourd'hui, je suis agent d'une banque et c'est grâce à vous. Écoute, jeune homme, les finances, c'est comme ça. Hein. Quand tu es dans les finances, c'est. Ah, moi, félicitations, je t'encourage beaucoup. Mais là, tu vois, les gens, quand ils nous voient, ils pensent qu'on vient d'une famille un peu en écouté du ciel pour tomber dans les finances. Non? Moi, j'ai commencé avec. On a commencé avec moi et rien. Écoute, hein. Jeune homme, les finances, c'est pas facile. Hein. Alors, l'économie, ça demande beaucoup de boulot. Monsieur Zézé, je souhaiterais vous rencontrer pour plus de conseils. Jeune homme, là, c'est pas compliqué. Alors, je suis juste à la rue Saint-Midi, porte 149. Il y a mon portier qui est là. Vous demandez après monsieur Elvis. Voilà, il veut conduire à mon bureau. Il n'y a pas de souci, je suis là chaque jour. Demain, vous pouvez passer. Merci, monsieur. Voilà, c'était un plaisir. Je vais voir ma mère, je continue la marche. Bien de choses à un moment. Hein, allez, merci, jeune homme. Courage, hein. Merci beaucoup. Les finances, c'est pas facile. Ouais. Eh oui, c'est tiré d'une histoire vraie, de son histoire, et ça s'est passé à la Riviera 2. C'est bien cela, Stanislas. En tout cas, je m'en veux d'être à la fin de cette émission. Non, je m'en veux pas, j'en veux à la RTI. On va continuer cette émission. Donnez-nous encore 30 minutes. L'émission est terminée. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On sait à quel point vous êtes un homme occupé. Vous avez accepté de venir parce que vous avez le souci de transmettre quelque chose à la jeunesse. Et c'est fort. Nous, on est encore plus admiratifs après tout ce que nous avons entendu de vous. Merci infiniment. Merci Jeanne. Merci à l'association des femmes dynamiques de Yokougon, au fan club ce midi. Nous espérons que vous avez retenu toutes les valeurs de cette émission. Croyez en vous, croyez en vos capacités, osez, soyez audacieux tant que faire se peut et ne perdez pas confiance. L'Eldorado, ce n'est pas ailleurs. L'Eldorado, c'est ici. Il nous l'a démontré. La Côte d'Ivoire est solvable. Ensemble, nous irons plus loin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et n'oubliez pas de respirer et de vivre. Bye bye.